J'ai un découvert qui est... Ah bah ouais, quelle mascarade. Tu crois que c'est derrière toutes les boxes ou ça vient commencer? Non, bah, je pense que ça fait un moment. Salut les enfants. Hello. Salut Akilou. Hello Chacha. Les enfants, on vient de faire une découverte de ouf. Ouais. À chaque fois, derrière la box, il y a marqué le titre. Le thème du mois. Quelle mascarade. Donc Akilou va se renseigner. Bah oui, je regarde sur les autres. Donc, vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des Beautiful Box de juillet et août. Là, aujourd'hui, c'est jackpot Akilou quoi. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de chouchonnade. Oh là là là. En plus, mauvaise chouchonnade. Oh là là, qu'est-ce qu'on a d'arras quand même. Moi, au montage, j'en pouvais plus de voir Akilou comme ça. Le seum, hein, ta belle. C'est ça que je voyais déjà trimballer en vacances, en fait. Bah oui, mais Akilou. Bah, je le trimballerai à la rentrée. Non, en fait, ça sera pas du tout. Tu mettras ta petite gourde, ton masque. Ce sera un peu énorme pour faire comme ça, mais je pourrais mettre ma veste en hiver quand il fera chaud. Parce que les enfants, vous l'avez compris, Akilou va finalement recevoir son sac, mais dans la box de... C'est ça, en fait, j'avais mal lu. Voilà, dans la box de septembre. Il donnait un code avant. Ouais. Que je me suis pas encore servi, mais je vais devoir me dépêcher. Ça s'appelle Summer, je sais pas quoi. Fais gaffe parce que ça va passer sous le nez, tu vois. Again, et puis là j'ai encore pété un câble. Là t'auras plus tes yeux pour pleurer, c'est ça. Non, jamais, never. Donc voilà, on a retrouvé une Akilou plus en forme aujourd'hui, prête à déballer les deux box. Comme on dit à la Beautiful Box, là ça va être full banco. Ouais. Ça c'est sûr, c'est des produits full size. Moi, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à découvrir. T'as des choses à dire sur les box précédentes? Bah non, parce qu'on en parlera en septembre. Parce que à chaque fois, elle repousse septembre. Bah oui, s'en souvenir. Bah si, parce que t'as dit, vous ferez un replay. Let's go replay. Je connais pas, c'est quoi? Tu connais pas? Non. Bah ceux qui savent, ils regardent. Ceux qui savent ça. Voilà. Bah Ardisson. D'accord. Ah oui, let's go DJ replay. Je connais pas. Bon bah écoute, il y a peut-être des gens qui connaissent. Non, ça fait non, non, on avait dit qu'on prendrait les produits avec nous. Oui, mais je veux dire des... Ah si, j'ai mis le vernis. C'est toujours ça. Voilà. Mais je veux dire des box d'avant, de juin. Non, bah j'ai... Si, j'ai vu le shampoing. Après shampoing, après shampoing... Après shampoing... Bah, non, mais j'en parle jamais parce que pour moi, je vois pas trop la différence. Si vraiment je vois une différence, je le dis direct en fait. Donc là... Oui, si tu dis rien, c'est que... C'est que c'est un shampoing basique. Enfin bon, pour moi, il y a... Il y a rien à dire. Il y a rien à dire en fait. Il y a rien à dire. Si par contre, j'ai utilisé le gommage visage de chez Été Rose. C'était dans une Beautiful Box du mois dernier. Enfin bref, c'était ça, c'est nice. Ok. Voilà, odeur tropicale et tout. Si jamais vous vous en souvenez. Bah ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on commence par la Beautiful Box Jungle Tropical Régénérant? Bah non. Ou bien retour de plage. Ouais, parce que là, bah, régénérance après soleil. Donc ah, c'est après ça. Soleil, donc après les vacances. Donc on va faire retour de plage puisqu'on est encore en vacances. Les vacances. Okay. On commence par ça. Je sais pas quel est le mois. Je cherche le mois. Ah, t'as les cartasses là, j'ai dit dans le... J'ai les cartasses. Bon écoutez, on vous l'a dit, routine, retour de plage, soirée estivale. Des paillettes, c'est une sacrée soirée. Alors, en perspective. Bah, moi j'ai déjà prévu plein de soirées en perspective. On commence avec comptoir des huiles. Ok. L'huile savonneuse précieuse. Aux huiles végétales précieuses, donc il y a de la... Bah, c'est nice, je crois, c'est pour les cheveux. Non, c'est une huile de douche. Ah, pour le corps. D'accord. Ricin, coco. La coco. Moi j'ai orange et figuier. Non mais il y a plein de trucs, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Je te vois commencer à... Ouais, parce que là, il y a trop de trucs. Ça coûte 15 balles, 14,90. Moringa, machin. Donc nourrit, adoucit, protège. 100% actif naturel. Ok, moi j'ai du baobab et de l'huile végétale de Ximénia. Ça sent bon. Hein. Ouais, ça sent ben, l'orange, je pense. Une huile de douche comme ça après la plage. Pas mal ça. Ça c'est bien ça. Hop, direct dans la pochette. J'ai l'impression qu'on va prendre beaucoup trop de choses à Oui, mais c'est pas grave. Parce que si on prend les miniatures plus les vrais produits... On regardera. Parce qu'on était en train de calculer les valises, combien de sacs, machin. Parce qu'on va être à pied au bout d'un moment, après le bateau. Oui, mais ça va aller. Donc faut penser quand même que tout ce qu'on embarque, on le porte. On se porte. On peut vous le garder en tête. Et ça vient d'où ce produit? Alors, comptoir des huiles, au cœur de Madagascar, une famille d'explorateurs modernes partage ses découvertes à travers l'élaboration d'une marque d'huiles exceptionnelles. Ouais, c'est spécial, comme le titre l'indique, Akilou. Cette marque a développé en partenariat avec des paysans malgaches un circuit de production direct et responsable pour élaborer des cosmétiques naturels ultra performants. C'est chouette. Parfait. C'est chouette. Bon ben voilà. Après avoir gommé votre visage, prélevez un peu sur de visage alors. Et appliquez la mousse obtenue sur l'ensemble du corps. Ah ok. Parfait. Ah c'est parce qu'on veut avoir un gommage visage dans la box. On continue avec
une autre huile. C'est la fête des huiles. Oh, mais ça c'est canon. C'est une huile pour les cheveux. Ouais, bah voilà, on a l'huile des cheveux. Sérum cheveux longueur et pointe, ça c'est vraiment canon. Better Hair Symphony. Oh, et la marque c'est vraiment drôle en fait, c'est comme la chanson de The Verve. Cause it's a beautiful mais c'est drôle. Oui, c'est nice. La marque c'est My Mira et je vous ai fait un article il n'y a pas très longtemps parce que j'avais reçu moi aussi des huiles de cette marque. Trop bien, il y a une sécurité enfant. Ah ouais, c'est bonjour. Donc qu'est-ce que t'as là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait hein? De l'huile végétale de pépins de raisin, du jojoba et des zestes d'orange douce. Ça c'est le mauvais truc, j'aurais pas dû l'ouvrir parce que maintenant je vais mettre dans la pochette, dans la trousse. Ah tu vas le refermer avec toi. Ah t'es bon, hein. Encore une fois l'orange hein, je pense. Ouais, par contre je vais vous donner une astuce vacances, quand vous mettez un produit huileux et tout, mettez du... C'est pas très écolo, mais mettez du cellophane pour être sûr que ça se renverse pas en fait. Ah oui. Avec un petit élastique. Voilà. Bon, bah, fin bien, ça coûte aussi 14,90€ si on en parlait justement parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait prendre comme shampoing, après-shampoing et produit pour les cheveux. Et ça, top. Donc, My Mira, je vous invite encore une fois à lire l'article parce que j'avais tout raconté sur l'image de la marque, les engagements et l'histoire, bien sûr. Sacré story. Ah, ben, je veux dire, c'est Juliette Dorian et Andy qui dénichent des savoir-faire en France et à Madagascar. C'est le thème du mois ou quoi? Pour proposer des soins sans concession, purs, naturels et équitables. Trop bien. Très parfait. Contente de retrouver ça. Voilà. C'est vraiment un produit parfait. Exactement. C'est un mascara. Mais oui, un petit mascara. mais franchement, j'étais en train de dire à Chacha, est-ce que je peux t'emprunter ton mascara parce que j'ai plus de mascara. Ben voilà. Il y a qu'un ask à kilo. Et il est là. Color Ink Mascara. Oh là là, en plus je pense que c'est un volumizer mascara. Ouais. On connaît la marque, hein. Ah bon sens. Moi j'allais dire justement. Ah ouais. Si on a déjà eu un produit. Pour un regard couleur océan. La descente de midi. Ah ouais, il n'y aura pas de couleur océan, non, mais moi c'est mort. Ouais. Bleu électrique à kilo. Tu veux pas tenter le sketch? Non. Je sais pas à qui tu peux filer ça. Bah, ça sera pour un déguisement, je sais pas, je peux une soirée déguisée. Ouais, mais bon, une fois par an. Bon, c'est tout, est-ce qu'on passe ou tu veux quand même raconter le sketch? Ça coûte quand même 20 balles, hein. Et c'est une marque moderne pour des femmes modernes à kilo. Formula avec un maximum d'actifs naturels, des huiles précieuses. Bon, après, c'est peut-être très bon, hein, mais. Ouais. Crème gommante visage. Voilà. C'est la fameuse. Voilà. Esthetica pure nature. Je connais pas. Moi non plus, hein. Pour un bronzage prolongé, ça c'est bah, ça c'est nickel. Bon, trop ça, bien. Pareil, dans le sac, dans le cabas. 16,95€. Ça sent bon, j'adore. Qu'est-ce qui met? Je sens rien du tout, moi. C'est vrai? L'aloe vera. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que c'est tout. Ouais. Du coup, après l'orange, j'ai un peu le nez fatigué, je pense. L'huile végétale de Sacha Inky. Comme d'habitude, il faut un sketch. Forcément. Riche en vitamine E et en acide gras qui assouplit, apaise et répare la peau. Et puis l'huile de ricin. Pour le gommage, c'est ça les grains en fait. Ouais. Donc trop bien, petit gommage. L'huile de ricin, bankable en ce moment. Ah bon? J'ai l'impression qu'on entend partout. Moi j'ai tout le temps ça dès que le produit on en parle beaucoup. D'un artiste ou machin, c'est tendance. Tu vois, un artiste en ce moment, bam, il est bankable, on n'entend parler que de lui. Tout le monde parle de lui comme s'il n'avait pas existé avant. Ça, un petit vernis. Un petit vernis, j'aime beaucoup. Bah tu vois, ça tombe bien, le mois dernier. Avait le vernis que j'ai mis, que j'avais pris en rose très clair. Ouais. Et j'avais le choix avec cette couleur. Oui, lavande. Trop bien, voilà. Bleu lavande. La marque, c'est le même. Moi, j'en ai remis, écoute, la semaine dernière. Bah ouais, sur les yeux, c'est tout. J'ai fait mes yeux et j'ai fait aussi les mains. Alors, ça a duré 4 jours. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas ça. Par contre, je vais peut-être prendre un petit truc de. On va pas se prendre la tête en vacances. Bon, moi, j'ai envie d'avoir les ongles faits, mais je les ferai pas avant. Et là, voilà, tu vois, ils se pètent tous. Ça, ils ont mais trop de longueur là, Kilo. Ouais, là, ils sont un peu longs. Je sais pas si vous voulez. C'est pas en mode griffe. Ouais, c'est vrai, c'est des griffes. Moi, je vais peut-être les faire avant de partir et puis les changer une fois dans la semaine. Bah, c'est pour ça, mais juste prendre un vernis pour dire. Ouais, mais ça veut dire dissolvant, coton. Non, mais tout, dissolvant, faut mettre dans des miniatures, mais j'ai des miniatures, je crois. Juste pour être un peu. Bon, 9,50€ le petit vernis. On voit parfait. Très bien. Et puis. Hygiène intime solide, mais c'est bien ça. Ouais, c'est la marque Melo Ayurveda. Pareil, je vous renvoie vers l'article. J'avais reçu ce même produit. Ouais. Et je trouve ça très bien. Tu l'as testé? C'est tout doux. C'est alors ça mousse pas des masses, mais en même temps. Ouais, mais c'est bien pour l'hygiène intime. Ouais. Vraiment très cool. Je trouvais ça original, si je puis dire, parce que j'avais jamais eu de. C'est moi les savons hygiène intime, c'est les mousses que t'as en supermarché. J'avais jamais testé quelque chose de réglo en la matière et pas mal. 12€. Et puis la marque Melo Ayurveda, comme je vous disais, bah, l'article est en barre d'infos. Hein. Canon hein. Créé en 2018, c'est assez récent, par Cham, biochimiste et praticien ayurvédique.
Partant d'un constat qu'en Inde, beaucoup de personnes souffrent de problèmes cutanés, il crée un soin à l'avant à base de plantes ayurvédiques qui préservent le pH naturel de la peau. Son succès le pousse ensuite à réduire les déchets plastiques. Il lance alors des soins solides, fabriqués en France, qui respectent votre peau, tout en préservant la planète. Parfait. Sacré Cham. Je crois que c'est Cham... Je connais un autre gars qui s'appelle Cham et... C'est plus long comme prénom, peut-être qu'il a coupé son nom. Ah ouais, c'est un... Chamaldine, je crois. Ah, je sais pas. Je peux j'invente des trucs, peut-être. Ouais, ce Steve, il se fait renommer comme ça. Comme ça. J'ai choisi de l'appeler autrement. Bon, c'est une belle première box. Ouais, petite déception sur le mascara. Ouais, mais après, c'est pas grave. Après, bon, le vernis, tu vas t'en servir, le gommage, bah, on va visage, ça, ça, on va le prendre. Mais on pourra en parler toutes les deux, d'ailleurs. Ah, là, là, mais à Kilo, faudrait que tu me rappelles, quoi. Parce tous que... ces produits qu'on va utiliser... On se souvienne après, quoi. Pff, tous les jours, on va mettre un produit. Ouais. Déjà, il n'y aura pas trop de make-up, donc... Oui, ça va faire du bien. Par contre, j'ai hâte d'avoir la peau black. D'être bronzée, d'avoir une peau allée. Bah, j'espère qu'on va avoir du beau temps. Normalement, il y a du beau temps, ouais. T'as vu? Bah, j'ai regardé, hein. Inch'Allah. Non, mais c'est sûr. Non, ouais. Casse pas le délire, je vais où, c'est bah, sûr. Écoute, nous, on a choisi de partir après le 15 août. Je pense qu'on a fait le bon choix cette année. Ouais, c'est clair. Là, c'est l'histoire. Oh, je sais pas comment vous avez fait, mais. Bah, je crois que la majeure partie de la France, à part la Corse et la Côte d'Azur. Ouais, la Côte d'Azur. Encore, le sud, Montpellier-Toulouse, c'était. Oui, c'est ça, c'était la vraie aussi. Hein. Donc, vraiment, je pense qu'on a fait le bon choix. L'avenir nous le dira. Ouais, vous verrez de toute façon hein, les stories. Et... Bah, tu vas faire des reels maintenant. Maintenant, je fais des reels. Je me suis entraînée, je vais en refaire. C'était sympa. On attaque la deuxième? Ouais. Qui s'appelle comment déjà? Bon, qui s'appelle Régénérante après soleil. Donc là, c'est bon, on est rentré. On se régénère. On se régénère. Et peut-être qu'on aura des produits qu'on pourra prendre quand même. Si. Tout est là, il y a un gros truc là. J'attrape déjà un gros truc. Je le prends tout de suite. Vas-y, on commence par ça. Mélusine. Ah, ça doit être une pierre ça. C'est un rouleau. Un petit roller. Yeah, ça c'est bien. Déjà eu il y a pas longtemps. Bah non, j'en ai eu un il y a un an. Ah bon? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a pas longtemps. Non. C'est moi dans la box que j'en ai eu un là. Bah, j'ai fini par le donner à ma soeur parce que. Il est bien. Au bout d'un moment, t'en as 50 des rouleaux, c'est pas. Bah là, il est petit quoi. Alors, il paraît aussi que selon les pierres, c'est pas ça. Du tout la même utilité. Ouais. Donc là, toi, t'as une pierre de jade. Pierre de jade verte de Xi Yuan afin de stimuler le drainage lymphatique de la peau et la production de collagène. Ce geste simple améliore l'élasticité de votre peau et favorise l'éclat. Parfait pour après le soleil. Ouais. Elle évacue les toxines de votre visage, resserre les pores dilatés par la chaleur estivale et régénère votre visage en profondeur. Enfin bien, et Mélusine, on connaît, je crois. Ouais, on va être tellement canon sur la vidéo de ces produits. Non, on va avoir une peau. Ouais. Vous allez nous dire, waouh. On fera peut-être un zoom pour l'occasion. Ouais, un plein zoom et tout sur les pores. Bah écoute, parfait. Bah oui, c'est bien. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous faites vraiment, parce que c'est un truc à faire... Après tu peux, moi je le fais souvent le dimanche quand je fais mes soins. Non, mais normalement c'est pas tous les jours. Ah ouais, bah qui vous... Est-ce que quelqu'un fait tous les jours? Ah non. Je réponds à votre place, mais moi je suis sûre que non. C'est pas possible. Déjà, est-ce que vous avez un rouleau de gel? Oui, c'est ça. Ça fait tendance depuis 2-3 ans, mais je sais pas si tout le monde a acheté ce genre de sketch. Et ça coûtait 18 euros. Ah, trop bien. Bah vraiment, à qui vous notre c'est les fêtes, hein. On vient de discuter de avant de les prendre. Je suis tellement contente. Franchement, mais juste, vous avez même pas vu, nous, si regardez, on a reconnu le package direct. Mais c'est exactement ce qui nous manquait sur la liste. Mais quoi. Grave, j'ai dit, moi, il me faut, en fait, après un shampoing solide ou un démêlant solide, parce que moi, le démêlant solide, j'ai quand même du mal, il me faut quand même de la crème. J'en parlais dans la vidéo des favoris de ce mois-ci, que vous avez déjà vu, mais pas à Kilo. Parce que justement, moi, après le shampoing solide, je trouve que ça emmêle encore plus. Ben, c'est ça. Et moi j'ai besoin d'un truc où, en plus moi mes boucles, il faut que je les coiffe dans l'eau et jamais, après je coiffe plus mes cheveux à la sortie, c'est les doigts comme ça. Donc c'est pour ça que je peux pas à un moment, la pizza comme ça au milieu des cheveux, je peux pas passer, c'est pas possible. Pourquoi la pizza? Bah t'as jamais dit ça, un nœud de pizza? Ah, pas du tout qui dit ça. Bah un nœud genre ça fait une pizza quoi, tellement le nœud il est énorme. Sacré sketch, j'ai jamais entendu ça. Et vous avez déjà entendu une pizza? Bah non, personne dit ça, hein, vraiment. Bon, un soin démêlant, parce qu'après je disais, moi je mets, je prendrai un soin démêlant, parce que moi j'ai besoin d'un soin. Bah pareil. Après, et ben là, nous avons Sherry, la marque.
Le soin démêlant s'utilise comme un démêlant ou un masque après le shampoing sur cheveux mouillés appliqué sur la longueur démêlée, laissez poser 1 à 10 minutes puis rincer. Pareil, la marque Chérie, je vous en ai déjà parlé sur le blog, je vous mettrai les revues, j'en ai fait plusieurs je crois, en barre d'infos, et c'est une marque spéciale de cheveux bouclés. Donc vraiment là c'est le produit parfait pour nous. Grave, parfait. L'huile de figue de Barbarie en plus, c'est ça. C'est la gamme vraiment top. Ouais. J'ai rien à vous dire de plus, à part que ça coûte 12,50€, mais vraiment mais ça les vaut, vraiment ça les vaut. Même le shampoing, quand je vous disais tout à l'heure, ouais. Les shampoings et tout, je fais jamais, à part d'Avinès, ouais. Où je sais que l'après-shampoing et le shampoing... D'Avinès, c'est vrai qu'il est... Oh, mais ouais, ça aussi comme marque est trop bien. D'Avinès et eux, pour moi, top. Et les secrets de Loli dont je parle, ouais, c'est ça que j'avais kiffé aussi. Donc on continue avec, je connais cette marque, huile sublime nacrée. Ça, c'est pour le corps. Poreya. 35 balles. Hein. Ouais, quand même. Bon, ça, c'est moi le genre de produit que j'utilise pas trop. Je sais pas si toi tu vas te faire zizir. Ben, je sais pas. En revenant et mettre ça, arriver au taf et dire hello les gens, je reviens de vacances, je suis bronzée. Par contre, une soirée d'été, ouais. Oui, mais ça fait chier de prendre tout ça. C'est ça. Pour une soirée d'été. Non, mais prends pas ça en vacances. Tu le mettras au retour. Ouais, je le mettrai genre à mon bidet, quoi. À mon bidet. À mon birthday. Ah! Non, moi j'avais le bidet. Le bidet, non, mon birthday. Non, mais vraiment, je me vois pas arriver comme ça, toute brillante, tu sais. Non. À paillettes et tout. Au boulot. Bah non. Bon, ça coûte 35€ hein, quand même. Et la marque Poreya, toi, Et c'est beau, hein. Oui, c'est joli. Bien. Alors, les paillettes, d'où ça vient? Donc, il y a de l'huile végétale de buriti, d'abricot et les nacres réflectrices de lumière, okay. Bien sûr, pour illuminer. Et la marque Poreya, je vous disais, c'est une nouvelle marque née d'une passion pour les actifs rares. À l'efficacité prouvée. Poreya signifie voyage en grec. On imagine celui de nos sens à l'utilisation des produits de la marque. Moi, ça me dit rien, mais écoute, je te fais confiance. À qui vous On continue avec Olive. On a déjà baume pied, oui. Baume pied extra riche. Parfait, je l'avais pas mis sur ma liste, mais ça va me servir. Cette femme. Tu me glisseras là-dedans. Yes. 12 balles. Et moi, vraiment, la crème pour les pieds, c'est toute l'année, mais encore plus en vacances quand t'es en tongs, tu prends le soleil, tu marches par terre à pieds nus, tu vas à la plage, le sable, machin. Chachelle, c'est quoi, je l'ai pas encore dit, mais tu sais, je me suis acheté une râpe. Non, mais une râpe, t'en as toujours eu une râpe. Non, celle qui roule, celle qui. Ah, qui fait tout seul. Bah ouais. Ouais, mais moi j'en avais eu, mais. Non, mais elle est trop bien. Faut changer. Bah, c'est Chelle, ouais. Celle qui vend. Celle que t'avais, ouais. Mais en fait, faut changer le rouleau trop souvent. Ouais, bah écoute, j'en ai eu 4 avec. Je crois que c'est devenu vraiment à la mode. Ouais, bah tu m'étonnes, les gens sont taqués sur les yeps. Hein. Mais je comprends. Mais franchement, ça fait trop du bien. J'ai fait un bain de pied, j'ai fait ça. Ouais. J'ai mis une crème. Moi, je louche. Je pense que je vais le mettre sur ma wishlist de mon birthday. Parce qu'on parle de bidet. je louche sur la machine pour se faire des bains de pied là. Celle qui fait des bulles et tout. Ouais. Ouais, bah. Tu sais, on l'a offerte à maman, je sais plus, il y a un an, peut-être Noël dernier, je ne me souviens plus. Mais en vrai, pour moi, j'en ai tellement besoin, quoi. Puis ce serait mon kiff, tu vois, de passer ton Bon, du coup, voilà, bah écoutez, produit pour les yeps, hein. Je sais pas si vous êtes de la team, on prend soin de nos yeps. On prend soin de ses pieds. Et là, nous avons ça. Mais ça, c'est la life FAQ. Non, mais. Ça va dans la valise aussi. Bah, bien sûr, complexe apaisant après piqûre insecte. Mais si vous saviez, moi, c'est une mascarade, hein. Donc j'ai quand même une crème. Bon, là, je sais pas où je l'ai mise. Mais en fait, je fais des allergies. J'ai quand même l'impression que les moustiques sont. Féroces. Ouais. Sont féroces. Je me suis fait piquer depuis 4 semaines, j'ai encore la marque, quoi. Ben ouais. Puis en plus, moi, je suis pas du tout de la team. Alors, je dis à Emma ou à Dono, on gratte pas. Mais alors, quand il s'agit de moi, je gratte, bien sûr. Et en plus, ça me fait des. Après, ça me fait des plaques et tout. Je suis à 100, enfin bref. Et mon médecin m'avait donné une crème. Enfin, m'avait mis. Parce que bon, ça a gonflé, ben tout. Oui. Près des marécages, c'est encore pire que tout. Non, mais là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on prenne des trucs un petit roll-on avant. Avant piqûre, machin, ouais. Quand on est sur la terrasse et tout, le soir, et après... Mais je pense même mettre de la citronnelle. Ouais. Franchement... Moi, j'ai des petits bracelets comme de ça. De citronnelle. Ouais. Bah, je vais m'en acheter un. Hein. Franchement, il n'y a que ça qui marche. Mm. Parce que franchement, moi, j'en peux plus. Hein. Moi, même à mettre dans la chambre quand je le mets sur la table de nuit. En plus, maintenant, j'ai regardé... ça marche pour les enfants de plus d'un an, ouais. Donc c'est bon. Ou alors je prends mon huile essentielle de citronnelle, parce que j'en ai une, c'est vrai que je peux le mettre sur un petit caillou, j'ai des petits cailloux. Oui, et puis tu mets ça sur ta table de nuit, au moins tu sais que la night, il est pas dans l'air, qu'ils vont pas me bouffer, quoi. Bon, Lavandice en Provence, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit peu de la Provence Alpes d'Azur, à prononcer Lavandice. Bon, je me suis un peu excitée sur le... Lavandice. Et avec l'accent provençal, s'il vous plaît.
Alors moi, par contre, je maîtrise pas non, du tout je le. Je ferai pas parce que c'est sûr et certain. Après, je vais partir dans un accent qui n'a rien à et voir. Et puis, tu sais que je vais faire un petit zoom sur ta tête. C'est ça, donc je vais pas me lancer dedans. Je sais que vous attendez tout ça avec chaud du cœur, mais je crois que j'arrive même pas là comme ça. Je suis en train de réfléchir dans ma tête. Je n'ai même pas l'accent. Bah non, bah non. C'est Nathalie et Pascal, frères et sœurs, cultivant et distillant la fleur bleue dans le domaine de la Vendaïs à Saint-Rémèze en Ardèche. Si au départ la marque commercialisait les huiles essentielles et aux florates de lavande, elle s'est depuis diversifiée en intégrant désormais des savons, des parfums, des cosmétiques. On adore. 15 balles et je remballe. Bah ça c'est vraiment comme on vous l'a dit, parfait. Et on termine avec un dentifrice à croquer. À la menthe. Ça me fait rire. Pourquoi? Je sais pas comment tu nettoies tes dents avec ça. 62 comprimés à la menthe bio. Mais tu croques et tu craches. Un croqué, deux brossés, trois rincés. Alors croquer une pastille de dentifrice, bah, puis brosser vous les dents à l'aide de votre brosse à dents préalablement humidifiée. Après 3 minutes de brossage, vous pouvez rincer. Ah voilà, c'est bon, c'est dans ma valise aussi. Pas mal ça, ouais. 7,99€ les 62 comprimés. Et là, il y en a 62. Bah, ouais, c'est tout petit. Bah écoute. Paos, c'est une marque qui développe des produits naturels, zéro déchet, efficaces, écologiques et fun. On valide. Franchement, c'est pas mal. Bah ouais. Même les packagings sont sympas. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui gêne. Je vais regarder ce qu'ils font d'autre parce que c'est typiquement tout ce qu'on. Mais ouais. Non, mais c'est vraiment bien fait ça par contre. Tu vois, tu le prends, hop, tu croques, tu brosses, tu rinces. C'est vrai que au moins t'as pas besoin de te balader avec ton tube. Ouais. Bon écoute, en plus c'est léger, ça, ça sera pas lourd pour remonter la côte. La côte magique. Oh là là là, bon, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, c'est trop bien. Franchement, tout ce qui nous manquait. Bah ouais. Trop bien. Franchement, c'est nickel. Fin bien. Fin bien. Non, je suis contente. Bon, écoutez, on va se retrouver après les vacances. Avec une peau incroyable, un bronzage de fou, faudra régler la luminosité. J'espère que vous avez quand même eu des bonnes vacances, vous avez quand même profité. C'est pas terminé à Kilo, ça se trouve, il y en a pas. Oui, c'est pour ça, et pour ceux qui sont là en vacances, bah, enjoy aussi quoi. Les Aoussiens, c'est ça comme. Meilleur team. Bonjour, ouais. Moi je comprends pas pourquoi on partirait en vacances en juillet quoi. Bah, moi j'arrive pas à me dire que je pourrais prendre des vacances en juillet. Non, parce qu'après Noël, c'est dans trop longtemps. Ouais. Là. Ou alors faut couper encore en octobre. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est ça. Après, je pense que. Et après, il y a des gens qui adorent juillet. Mais pourquoi? Franchement, je comprends pas. À part le pont du 14 juillet, je peux comprendre quelques jours, tu vois. Mais il y a aussi au 15 août, hein, tu sais. Bah, cette année. Cette année, il tombe un dimanche, mais le 14 juillet tombe un peu cette année, un mercredi. Il y a pas de pont. Bah, si, il y en a. T'as fait le pont. Ah, bah, non, mais moi, j'avais pas refaire des ponts. Enfin, c'est pas un pont, là, c'est milieu de semaine. Ah, c'est. Oui, c'est un aqueduc. C'est un sacré viaduc. C'était dead. Non mais voilà, c'est cool tout ça. Très contente à Kilo. Ouais, on va se retrouver en pleine forme le mois prochain. C'est ça. Profitez bien d'ici là. Et puis, bah, un de ces quatre les enfants. Bah, oui. Si je t'ai pas dit, je t'ai fait des infidélités. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais vous allez voir une vidéo produit terminée de moi toute seule. Et vous avez vu qu'elle me l'annonce là. Le ouais. Annoncé, on s'est parlé, on s'envoie des messages. Non, à aucun moment, vraiment, elle a dit non, stop. Stop, break it down. Aucun moment, elle m'a dit j'ai fait. Bah non, mais je me doute, hein, t'as trop de problèmes. Là, c'était pas possible. T'inquiète pas, j'ai mis de côté des choses pour nous. Non, mais y a pas de soucis. Pour la nôtre, on peut la faire en septembre ou en octobre, parce qu'il me semble, tu vois, que bah, c'est ça aussi, c'est que j'essaye de varier les plaisirs. Bah bien sûr. Si je vous fais une vidéo produit terminée en août, que Amandine en fait une en septembre, il ça faut pas que... Beaucoup, voilà, ouais. Ça fait too much. Donc voilà. Too much, apologize. J'ai inventé un truc. Et comme ça, peut-être qu'on mettra les produits des vacances. Bah oui, qui seront peut-être terminés en une semaine, on aura peut-être terminé plein de trucs. Parce que 62 divisé par 3 fois le nombre de personnes qui vont utiliser ça, bah c'est même pas, ça fait pas la semaine. Faites vos jeux. Ouais, moi je ferai pas le calcul parce que là j'ai mal à la tête. Juste ce que je viens de vous dire, ça m'a fait mal à la tête. Allez, on arrête. Ouais, on arrête. Ça, ça ne s'arrête plus. Des gros bisous. Ciao, et bonnes vacances. Bonnes vacances et un de ces quatre les enfants. Un de ces quatre. Ciao.